Nous sommes en juillet 1978, à Paris. Le lycée Pasteur prend des airs du lycée Malherbe de Caen. C'est la magie du cinéma. Jacques Monet, l'homme aux 400 films publicitaires, dirige ses acteurs. Sur le plateau, les techniciens s'activent dans le calme et la concentration. Tous l'ignorent, mais ce film va marquer l'esprit de plusieurs générations de consommateurs. Silence! Action! Comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, je suis navré, n'est-ce pas, mais je suis obligé de renvoyer votre fils. Ses notes sont lamentables, n'est-ce pas? Alors, Guy de Graine. Bon. Arithmétique 1,5, n'est-ce pas? Géographie 2. Sciences naturelles 2. Par contre, dessin 18. Il faut dire que M. Guy de Graine passe tous ses cours à dessiner. Il dessine des fourchettes, des couteaux, etc., des plats. C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, M. Guy de Graine, n'est-ce pas? Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier, n'est-ce pas? Révolutionnaire en 1978, cette publicité a traversé les époques sans prendre une ride. Mais disons-le tout de suite, la véritable histoire de Guy de Graine diverge de la légende du cancre. Non, il n'a jamais porté le bonnet d'âne, ni eu le coup de crayon aisé. Oui, il a réussi dans la vie, mais rien n'a été facile pour autant. Il s'est battu comme un enragé pour bâtir son édifice. Pour lui, seule la volonté comptait. Le hasard n'entrait pas en ligne de compte. Et il a gagné. Voici le portrait de Guy de Graine, un homme inoxydable entre intuition et coup de génie. Cette aventure débute en 1946 à Sourdeval, dans la Manche. Son père, Émile, est propriétaire d'un moulin à eau sur la Cée, une petite rivière normande qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Dans sa forge, il fabrique de la ferronnerie artisanale. Pièges, casse-noisettes, crémaillères et chenets naissent entre marteau et enclume. À 21 ans, diplômé de l'ESSEC de Paris, le jeune Guy se retrouve face à une alternative. J'ai eu le choix entre aller travailler chez les autres ou bien de faire quelque chose d'autre que ce que faisait mon père, puisqu'il était forgeron et fabriquait des articles essentiellement pour le milieu rural, les paysans. Et alors, sans grande imagination, j'ai adopté la fabrication locale, celle du pays, celle de Sourdeval, qui était celle découverte. Depuis toujours, la spécialité de Sourdeval, c'est le couvert en étain, même si l'inox commence à intéresser certains fabricants de la vallée. La concurrence est féroce. Le jeune Guy, sans aucune expérience, traverse une période laborieuse. Dans la profession, personne ne le prend au sérieux. Tout au début de sa carrière, quand il a repris la forge de son père, alors il a commencé à faire un certain nombre de projets. Il a été très mal considéré par ses concurrents de Sourdeval, puisque eux, ils avaient une trentaine d'ouvriers, etc. Lui, ben, il n'en avait pas beaucoup. Son père et lui, au début, étaient des petits industriels à Sourdeval par rapport à des personnes qui étaient installées, qui étaient plus importantes. Et il a eu un petit peu un complexe de ça. Pendant longtemps, on ne l'a pas pris au sérieux. Alors le complexe, c'est, je ne sais pas, mais une revanche à prendre sûrement. Il y avait des réunions à la mairie de Sourdeval à l'époque. Et ils s'entendaient sur le prix de la commercialisation des couverts, lesquels étaient surtout en alu, en étain à l'époque, je parle des années 50. Et mon père y avait été, et un de ses concurrents avait dit « Mais qu'est-ce que fait le petit Guy de Graine là? Il n'est pas représentatif, qu'est-ce qu'il fait dans notre assemblée ?» Ça l'avait vexé. Ben, il dit « Puisque c'est comme ça, je vous boufferai tous. » Mes confrères m'ont rendu un grand service à leur manière. Ils m'ont dopé. À 23 ans, recevoir une telle offense, une telle humiliation, ça fait mal. Et ça vous dope. Il a vraiment voulu affirmer son leadership et être reconnu. Donc je pense qu'il y a une partie de reconnaissance de sa communauté, de sa région, de son milieu. Ce n'était pas une question de gloire, c'est une question de reconnaître sa valeur. Sans le savoir, ses concurrents viennent d'inoculer à Guy le virus de la revanche. Pour les contrer, il se lance à corps perdu dans le couvert en inox. Voici la première des intuitions nombreuses qui marqueront sa carrière.
faire d'un produit de luxe un article populaire. Ces couverts sont en acier inoxydable. C'est un acier qui est inaltérable, qui se nettoie facilement et conservant son aspect originel. Voilà les qualités qui intéressent surtout la ménagère. L'acier inoxydable était assez nouveau à cette époque-là. Et il y avait un besoin énorme, puisque en fait, les ménages remplaçaient les couverts en alu ou les couverts en métal acéré ou éteint par l'inox qui était quand même beaucoup plus solide. Et en plus de ça, il y avait aussi les collectivités qui étaient importantes, l'éducation nationale, l'armée qui demandait beaucoup de modèles spécifiques. Pour fabriquer des couverts en acier inoxydable, on travaille avec de l'acier en feuille que l'on découpe et ensuite que l'on emboutit avec des presses à emboutir. Et donc on grave des matrices convexes, concaves, qui permettent de faire les modèles au niveau de la pièce et les courbes voulues. Après la guerre, la demande en acier inoxydable est en pleine expansion dans le monde entier. Mais les suites du conflit posent de sérieux problèmes d'approvisionnement. L'inox se fait rare, il est donc très cher. C'est un frein à la volonté de Guy de produire de la qualité à bas prix. C'est donc sur l'outillage qu'il doit concentrer ses efforts. Après le débarquement des Alliés et des jours de combat intensifs dans le bocage normand, les Allemands fuient et abandonnent leurs chars d'assaut un peu partout dans la région. Ils créent ainsi un gisement dans lequel Guy de Graines va puiser abondamment. Et voilà, l'aventure du cancre commence avec une première idée de génie. Les premiers outils ont été fabriqués avec de l'acier de chars d'assaut que les graveurs de l'usine allaient découper dans les champs pour fabriquer les premières matrices de fabrication des couverts. Alors, c'était des plaques de blindage qui faisaient de 40 à 100 mm d'épais que l'on découpait au chalumeau. Alors là, c'était, je dois dire que c'était intraitable à découper. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant qui arrivait au service d'entretien, on lui dit, tu sais te servir d'un chalumeau découpeur? Ah oui, oui, pas de problème. Bon, ben voilà, tu vas découper ça. Alors là, j'aime autant vous dire qu'on a rigolé. Cet acier était gratuit. Cet acier était complètement gratuit. Et il avait l'avantage d'être très dur. Donc, ça permettait une longévité de cette matrice qui s'usait beaucoup, plus de profit. Avec un produit coût zéro. Dès 1948, grâce à ce coup de génie, l'entreprise dégage des bénéfices conséquents. Guy remporte une première victoire, la première d'une longue série. Il se sent poussé des ailes, porté par l'amour indéfectible de René, qui le 30 avril 1949 met au monde Sylvie, bientôt suivi de Thierry et Véronique. Après la guerre et ses restrictions, la France vit dans les années 50 une parenthèse enchantée de croissance et de prospérité sans précédent. La société de consommation triomphe. Les ménages sont emballés par les réfrigérateurs et autres machines à laver. Du réfrigérateur à l'aspirateur, de l'aspirateur au mixeur, aux adeptes de jour en jour plus nombreux du confort domestique. Dans les cuisines, c'est aussi la révolution, l'ère de l'entretien facile. Qui a encore envie de laver à la main des fourchettes en étain? L'ambiance générale est favorable au développement rapide que Guy souhaite insuffler à son entreprise. Notre grand mérite a été, dans les années 48-50, voire 52, a été d'un produit cher, qui était le couvert en acier inoxydable à l'origine, de véritablement le démocratiser, de le mettre à la portée d'un plus grand nombre de consommateurs. On vient de dénombrer les Français. Ils sont 42 401 224. En moins de 5 ans, Guy triple son chiffre d'affaires. Il occupe désormais la place de leader sur le marché français. Nous avons beaucoup travaillé. Nous l'avons fait passionnément. Nous l'avons fait avec un désir profond de réussir. On s'est accroché. Nous avons fait l'objet du fait de nos excellents rapports qualité-prix, d'une demande que nous n'arrivions pas à satisfaire. Notre problème a été de produire et non pas de vendre. Mon plus vieux souvenir, c'est d'entendre mon père rentrer du travail le soir et d'être effondré
et de dire je m'en sortirai pas, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai pas. Sa grosse catastrophe de l'époque, c'était justement de ne pas fournir. C'était un peu le sauve-qui-peut, c'est-à-dire c'était un peu il faut que je fournisse et j'en mets partout, je mets des machines un peu partout. On faisait un trou dans le mur, on faisait une niche et on mettait une nouvelle machine. Il fallait faire vite, il fallait installer rapidement, etc. Il y a eu une machine à dégraisser qui avait été achetée pour dégraisser notamment les couverts. Il n'y avait pas la place où la mettre. Donc ils avaient acheté la machine. Mais... Donc ils ont installé la machine, ils ont fait un bâtiment au toit. C'est pour dire que c'était un peu anarchique. C'était un peu disparate, hein. Et beaucoup de bâtiments dispersés les uns des autres. Il y avait des brouettes pour emmener les couverts d'un bâtiment à un autre bâtiment. Le bâtiment de fabrication, le bâtiment de polissage, le bâtiment des brisages, etc., etc. Une cuillère faisait un peu plus d'un kilomètre entre la fabrication et puis le magasin des produits finis. Il y avait à peu près un kilomètre à parcourir à l'intérieur de l'usine. On allait à droite, à gauche, on traversait la rivière. C'est un artisanat qui a grossi, trop vite. Il y avait quand même pratiquement 700 personnes dans la vallée. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de mécanisation. Dans une pièce, tous les mètres, il y avait un opérateur sur son tourret, quoi. Ça donne une force, un dynamisme quand vous vous sentez sur une bonne voie qui progresse. À ce moment-là, vos ambitions ne s'arrêtent pas. Vous voulez toujours faire demain mieux que vous avez fait aujourd'hui et hier. Émile, qui désapprouve les ambitions de son fils, se retire peu à peu de l'affaire. Guy prend définitivement le pouvoir. Mais si le succès ne lui tourne pas la tête, c'est certainement grâce à la présence de René. Sa passion, c'était sa femme, c'était son égérie. Ils vivaient tous les deux en fusion, c'est certain, et elle était devenue très complémentaire à son mari. Alors, j'ai des parents qui s'entendaient très bien, un couple parfait, mais nous, les enfants, on était, comment je pourrais dire, on n'était pas mis à l'écart, mais pas loin quand même. C'était plus un couple que des parents. Si la nature discrète de Guy le tiendra toute sa vie éloigné des médias audiovisuels, il adorait en revanche être filmé par sa Renée chérie. Il aimait le bateau. Il avait son bateau donc à Granville qui se trouve à 50 km de Vire, hein, où était l'entreprise. Il aimait le bateau, ils aimaient voyager. Ils avaient un appartement à Cannes. Ils y allaient de temps en temps. Oui. Mon père, le mois d'août, partait en vacances, comme tout le monde. Et je crois que M. Levan a eu la chance d'avoir une épouse comme elle. Bon, quand il avait certainement des coups de cafard, sûrement que, ou peut-être des problèmes de réflexion, peut-être qu'elle était là aussi pour l'épauler. Hein. Son épouse, qui était aussi d'extraction modeste, n'était pas attirée par une vie flamboyante, une vie agréable, oui, mais pas flamboyante. Et elle voulait absolument que son mari réussisse. L'explication de la réussite, il faut aller la chercher dans un habile dosage de prudence et d'audace. Guy sait que développement rime avec investissement, mais pour ce Normand pure souche, emprunter, c'est se déshonorer. Et c'est de ce principe que va émerger sa deuxième idée de génie. La grande idée de mon père, ça a été effectivement de toujours réinvestir, ce qui était relativement moderne à l'époque. C'est quelqu'un qui a toujours réinvesti la quasi-totalité des profits qui étaient très importants en plus. L'idée n'était pas d'avoir un patrimoine, n'était pas d'avoir de l'argent pour vivre aisément, c'était d'avoir un outil qui lui permette de s'affirmer, devenir le leader dans son métier, devenir quelqu'un. C'est un terme qu'il aimait bien utiliser. Je veux devenir quelqu'un. Il est devenu quelqu'un incontestablement. Guy voit toujours plus grand. Mais à Sourdeval, l'espace est saturé. Un déménagement n'est plus une option. Pour rester numéro 1, il doit passer de la fabrication artisanale au stade industriel. Ses influences, Guy va les chercher aux États-Unis, dont le président John Fitzgerald Kennedy vient de lancer le programme spatial.
La culture industrielle américaine le passionne. Voir une feuille d'acier entrer d'un côté d'une chaîne de fabrication et sortir en produit fini le transcende. Fabriquer ses couverts en ligne rationnelle commence à titiller l'esprit de Guy. Et c'est à Vire, en 1968, alors que la France est en ébullition, que Guy va mettre en œuvre sa troisième idée de génie, celle qui va révolutionner l'industrie du couvert. Je pense que c'est surtout l'évolution 68 et la création de l'usine de Vire qui a été un tournant excessivement important. L'idée, c'était de créer des lignes de fabrication telles que M. Degrelle les avait vues aux États-Unis. Donc une usine monobloc, un seul bâtiment, tout en ligne, pour essayer de gagner le plus de temps et bien évidemment pour essayer d'automatiser les manutentions de machine en machine. Les chariots élévateurs transportant des bacs de pièces, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, tout s'en allait par tapis. Ouais. C'était des débuts de la grande automatisation. Il y a eu avec l'usine de Vire vraiment un coup de génie de faire cette usine ultra moderne en mélangeant d'une façon tout à fait adroite et la partie fabrication et la partie finition qui, avec des boules à polir, etc., qui amènent de la poussière, mais avec des gros aspirateurs, avec des rideaux intermédiaires, avec une zone de stockage, avec des services très organisés, service des méthodes, service outillage, etc. Je pense vraiment que c'est la preuve d'un industriel excessivement averti. On a donc démarré sur cette idée et donc créé la première ligne à Vire en 68. Donc il a fallu inventer des machines ou trouver des machines dans le commerce pour mécaniser ces opérations-là. Avoir plus de machines, c'est des investissements plus lourds. Et des investissements plus lourds, ça fait des amortissements plus lourds. Ça fait des prix de revient qui augmentent. Nous, on voulait l'inverse. Baisser les prix, les coûts de fabrication pour baisser les prix de vente et être plus concurrentiel. Donc l'idée, c'était d'acheter des machines beaucoup moins chères, d'occasion, mais d'occasion en parfait état. Et à des prix défiant toute concurrence, 10 à 20% de la valeur du neuf. On les reconditionnait et les reportait pour 10 ou 20 ans, parfaitement. Ça a été un facteur essentiel de développement, parce qu'on pouvait investir 4 ou 5 fois plus qu'un autre qui aurait acheté des machines neuves. L'ampleur des investissements que nous réalisons chaque année est l'un des points essentiels qui nous distingue de nos concurrents. Nous devons nous montrer de plus en plus performants. Et pour être performant, il faut pouvoir recruter les meilleurs. Mais les convaincre de s'installer à Vire n'est pas chose facile. Là encore, Guy fait preuve d'innovation. Il bâtit un lotissement de pavillons à l'américaine, selon les vœux de René, avec jardin arboré et surtout sans aucune clôture. C'était difficile de faire venir des cadres. Leurs femmes trouvaient impensable de vivre là. Pour s'entourer des meilleurs, il faut leur offrir le meilleur. Il a réussi quand même à attirer des gens de valeur, parce que comme son entreprise était plus moderne sur le plan industriel, il a réussi à attirer des talents qui étaient attirés par cette modernité. C'était lui le moteur de l'entreprise, à la fois technique. Alors, d'abord technique, c'est-à-dire sécurisé, c'est un homme qui a eu une formation plutôt commerciale et qui s'est plus investi dans le technique parce qu'il s'était dit, c'est par le technique que je vais arriver. Ça, il a vraiment été très visionnaire, très révolutionnaire, très tenace. Avec son équipe, l'entreprise Guy Le Graine a inventé beaucoup de nouveaux procédés de fabrication. Pour lui, tout devait être réalisable, même ce qu'il ne l'était pas. Il aimait toucher la matière, d'ailleurs il venait tous les jours dans les usines. Il voulait s'occuper de tout, de l'atelier, de la fabrication, des machines. C'était le patron, avant tout, c'était le patron. Il fallait faire des dizaines de milliers de produits identiques pour que les machines puissent être enchaînées et qu'on ne change pas d'outils. Un changement d'outils, ça pouvait à l'époque prendre une demi-journée. Pendant des journées, on fabriquait le même couvert, strictement le même couvert, avec les machines, tac, 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 tac. Ça ne s'arrêtait pas et faisait du flux continu, de la production de masse. On faisait 120 couverts à la minute avec une personne. Pour les emballer, il fallait 7 personnes après. On fabriquait 250 000 pièces de couverts par jour et à peu près 25 000 plats. On pouvait équiper une ville comme Le Havre tous les jours.
lui recevait beaucoup les clients et il les accueillait comme on accueille quelqu'un chez soi, quoi. Enfin, avec un vrai plaisir de leur montrer l'usine. C'était absolument sa fierté, oui, oui. C'était son bébé, il le disait lui-même d'ailleurs. Absolument, il vivait que pour son entreprise, il ne pensait qu'à son entreprise. Dans tous les cas de figure, en voiture, en avion, en restaurant, il ne pensait qu'à son entreprise. Forcément, au restaurant, on avait des couverts, il parlait de couverts, qu'il n'était pas bon, ceci, cela, on pourrait faire ceci. Bon, effectivement, ce n'était pas un homme de patience, c'était un homme d'une patience en entreprise. La réussite insolente de l'entreprise qui double son chiffre d'affaires tous les 4 ans lui donne enfin les moyens de réaliser son vieux rêve d'enfant. Un réfugié, c'est un endroit que mon père adorait. Et ici, il y avait autrefois, quand mon père était gamin, un mauvais champ plein de joncs avec une rivière qui passait au milieu. Et mon père avait toujours rêvé de transformer ce mauvais champ qui était inutilisable en un étang. Avec un chalet, c'est un peu original, on aime ou on n'aime pas, mais avec un chalet finlandais. Ah, c'était vraiment son coup de feu, l'y réfugier. Absolument. Il adorait cet endroit-là et il y venait le maximum qu'il pouvait venir. C'était la tranquillité de cet endroit avec l'eau, etc. Mes parents étaient souvent dehors pour déjeuner dehors. Ils venaient là parce qu'il faisait beau quand même. Hein. Mais ils adoraient. Ils venaient le soir, ils passaient la soirée ici, ils s'y plaisaient bien. Un peu énervé quand il essayait de pêcher et que ça ne marchait pas. Mais je pense que les poissons étaient dressés quand même. Il y allait tous les week-ends, hein, donc c'était vraiment pour lui un dépaysement. Il était complètement décontracté, hein, c'était quand même un autre homme, quoi. Il ne souriait plus, on oubliait le patron en fait. Même dans son havre de paix, Guy n'oublie jamais très longtemps son usine. Loin d'elle, il se languit. Elle lui manque physiquement, terriblement. Il la veut parfaite, ayant toujours une longueur d'avance sur son époque et ses concurrents. S'il est avant-gardiste sur le plan industriel, il ne l'est pas moins au niveau des lignes de produits qu'il lance sur le marché. Ses produits, c'était ses bébés, il les voulait parfaits. C'était un homme avec une très très grande imagination, et qui avait plein d'idées, et qui avait la chance de les concrétiser. Et il a lancé des lignes avant-gardistes, tout à fait, et avec des très grands succès. La série de plats Cosmos, par exemple, c'était le premier modèle du marché pendant des années et des années. Alors, c'est une forme géométrique extrêmement simple et extrêmement pure. Et ça a été le premier, on va dire, la première forme moderne qui est apparue quasiment sur le marché. Alors, pendant bien des années, les ventes n'ont pas démarré au départ parce que forcément, c'était un peu perturbant. Et c'est qu'après, au bout de 8-10 ans, on va dire que le modèle est parti en flèche et est devenu vraiment un modèle de référence dans la plâtrie moderne. Il a, on va dire, été trop en avance sur son époque. Donc en ce sens-là, on peut dire que M. De Graine, des fois, allait trop vite. Et puis il avait des idées, nous, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Il nous forçait à faire quelque chose, on disait, on ne va jamais y arriver. En fin de compte, il avait raison, parce qu'on y arrivait quand même. Ah, c'est un visionnaire, oui. Ah oui, oui, oui. C'était d'abord comment je vais fabriquer le produit pour qu'il ait le meilleur rapport qualité-prix, qui passe sur la machine machin, qui va faire ceci, cela, etc. Que ça passe facilement, que la productivité soit bonne, etc. Toute matière devait être utilisée, le minimum jeté. C'est pourquoi les découpes découvertes étaient toujours faites sans chute, hein, puisqu'en fait on travaillait avec des formes qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Donc là, la perte matière était vraiment minimalisée. Alors l'exemple le plus frappant, c'est le couvert Ondine, parce que très linéaire, la bande, c'est une bande rectangulaire. Petit, alors on le voit par rapport à un autre couvert, il fait quand même 2 cm de moins. Donc M. De Graine était très partant sur ce couvert en s'imaginant qu'il allait pouvoir en produire des millions. Alors aussitôt, les commerciaux l'ont alerté en disant « Écoutez, M. De Graine, on veut bien, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est quand même assez spécifique. » Malgré tout, M. De Graine s'est un peu entêté en disant « Si, je veux aller jusqu'à le fabriquer. » Mais, bien évidemment, comme tout le monde l'avait prédit, peu de gens
ont plongé en disant « oui, c'est le couvert que je veux ». Pour lui, c'était vraiment un échec personnel. Bon, d'abord, il n'aimait pas perdre de l'argent. Bon, là, il a été obligé d'admettre qu'effectivement, il avait été trop loin par rapport à tous les conseils qui lui avaient été donnés d'arrêter avant. Il pensait toujours que c'était ses idées qui étaient les bonnes. Les idées des autres, pour qu'il les accepte, il fallait d'abord un certain temps, on va dire. Il fallait qu'il puisse y réfléchir. Et c'est souvent Madame de Graine qui revenait pour l'inciter à avoir un point de vue positif, on va dire. Elle avait un rôle de conseillère auprès de Messieurs de Graine parce qu'elle était très influente. Et puis un rôle de modérateur, je dirais aussi. Il y avait des réunions cadres tous les mois. Et personne ne bronchait, personne ne disait rien. Pour la simple raison, c'est que quelqu'un aurait fait la moindre réflexion, il aurait pu dire n'importe quoi à cette personne-là devant tout le monde. Donc effectivement, les gens en avaient peur. Ce qui est quand même dommage quelque part. Il fallait vraiment séduire sa femme, si je puis dire, et avoir la confiance de sa femme pour avoir sa confiance à lui. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de cadres qui lui téléphonaient avant des réunions en lui disant « Est-ce que vous pourriez passer le message à Monsieur de Graine ? Parce que ça serait très important que ce dossier-là passe. » Et elle répondait toujours « Je vais essayer. » De mauvaise langue disait d'ailleurs que c'était elle le directeur commercial. Car quand il s'agissait de choisir un produit, il n'était jamais choisi sans qu'elle ait dit oui. Et d'autre part, sur le plan social, elle s'est occupée d'un très grand nombre de gens. C'était du contact individuel. Elle faisait ça très discrètement, d'ailleurs. Au départ, il y avait un service du personnel, mais il n'y avait pas vraiment de social. Donc, elle s'occupait de toutes les personnes qui avaient des soucis d'argent. Elle était généreuse, Madame de Graine. Je pense qu'elle était très, très aimée. C'était une femme qui avait une bonne réputation. Elle était tout à fait à l'opposé de son mari, ce qui faisait que la complémentarité était excellente. Quand elle venait, moi j'aimais bien parce que ça faisait un peu de sourire, quoi, parce qu'il n'était pas gay, hein, c'était pas quelqu'un de gay. Hein. Il aimait beaucoup les anciens ouvriers qu'il avait connus dans la forge de son père. Quand il arrivait malheur, un accident, ça le touchait beaucoup. Il se déplaçait, il allait les voir à domicile avec sa femme. Il leur donnait un coup de pouce pécunier. C'était pas un cœur sec. Guy n'est pas un cœur sec, mais pas non plus réputé pour sa générosité en matière de salaire. À trois reprises, il sera confronté à des conflits sociaux qu'il ressentira comme une injustice terrible. 72, la grève qu'il y a eu, c'est parce que la CGT a revendiqué le 13e mois. Et en fait, ça a duré une quinzaine de jours. Il n'était pas d'accord. Pour lui, verser un 13e mois d'emblée comme ça, non. Pensez bien que c'est vous, demain, qui subiriez les effets d'une grève qui se produirait à un moment où les couverts allemands, moins chers que les nôtres, arrivent sur le marché français par wagons entiers. Chez quel employeur auriez-vous trouvé du travail si nous n'avions pas fait l'effort qui s'imposait pour maintenir nos fabrications traditionnelles ? Nous sommes décidés à aller jusqu'à la limite de nos possibilités, sans augmenter nos prix de vente, ce qui, dans les circonstances présentes, serait une catastrophe. Que vous servirait-il de vous augmenter de manière inconsidérée si c'était pour vous faire travailler moins, donc pour qu'en définitive, vous gagniez moins ? C'était devant les portes des services techniques, là où j'avais mon bureau, et il y avait effectivement un cordon de manifestants devant nous, très proche de nous, à 50 cm peut-être, oui, 50 cm. Et c'est là encore qu'il a eu une illumination. Il s'est laissé tomber. C'est pas fait mal, je le tenais, il n'y avait personne, j'étais là. Je ne peux pas dire que j'étais à 20 mètres, je le touchais. Il s'est laissé tomber. Mais il savait ce qu'il faisait. Effectivement, il s'est laissé tomber, du coup, les gens sont reculés. Le patron, un patron de droit divin, on l'a fait tomber. La grève s'est arrêtée instantanément. Et le lendemain, tous les responsables de la grève ont été virés. Il était roublard, mais c'était un Normand. C'était un Normand madré, rusé, un peu grippe-sou. Monsieur de Graine a fini par donner quelque chose, mais c'était l'équivalent d'un 13e mois, mais c'était pas un 13e mois, c'était une prime d'été et une prime de Noël.
mais qui ne s'appelait pas un 13e mois. Donc il n'avait pas donné le 13e mois. Suite à ce dernier conflit, Guy prend conscience qu'il est nécessaire de faire régner un climat de confiance et de bonne volonté dans l'entreprise. Pour mettre de l'huile dans les rouages, il organise un banquet annuel le soir de la Saint-Éloi, le patron des orfèvres. Alors c'était assez ambitieux comme fête, parce que tous les salariés étaient conviés. Donc à cette occasion, il y avait la médaille, la médaille du travail des gens qui étaient récompensés. Et puis alors, c'était vraiment la bonne ambiance, c'était très très bien. Et là, M. De Graine aimait bien cette fête-là. Mais c'est Mme De Graine qui organisait tout. Et c'était une parfaite organisatrice, décoration, tout était très très bien. Oui, alors il y a des bonnes choses dans le paternalisme. Donc je trouve que dans une petite entreprise familiale, dans une petite ville, je trouve que c'est plutôt positif. Maintenant, effectivement, le paternalisme, il est plus pernicieux quand les systèmes de management, par exemple, ne sont pas équitables. Ça lui arrivait de passer dans les bureaux comme ça en fin d'année, puis de distribuer des petites enveloppes aux uns et aux autres, selon son bon vouloir. Donc les cadres, de temps en temps, vous voyez M. Guy De Graine apparaître dans le bureau, puis hop, il leur glissait une petite enveloppe comme bonus de fin d'année. Bon, ça, c'est quand même des systèmes de gestion qui sont un peu pernicieux. En patron paternaliste, Guy veut inculquer à ses collaborateurs des valeurs universelles. Ténacité, sens de l'effort, rigueur et surtout, économie. Un côté, alors moi, qui me choquait beaucoup au départ, qui est un sou est un sou. Et dans une entreprise, réussir avec des milliers de gens à leur faire... accepter que ça soit un espèce de leitmotiv, puisque dans l'usine, il avait fait mettre des panneaux un peu partout sur ces sujets-là. Ça paraissait à la fois dérisoire, mais en réalité, c'est devenu une culture d'entreprise. Mais quand il fallait acheter la machine qu'il fallait, au prix qu'il fallait l'acheter, il achetait la machine. Quand il fallait investir, il investissait. Non, c'était plutôt toujours les petites choses. Économiser sur les petites choses. Moi, j'ai vu M. De Graine... dans ses soucis d'économie, voir un trombone par terre se baisser pour le ramasser. Il fallait faire attention aux photocopies, il fallait faire attention aux stylos, enfin, tout était sujet à économie, si vous voulez. C'était un homme qui voulait tout récupérer, rien ne devait se perdre, tout pouvait être réutilisé. Il y avait tout simplement un bâtiment qui ne servait qu'à ranger les machines, les outils, le matériel qui n'était plus utilisé, en disant « on ne sait jamais, on en aura peut-être besoin un jour ». Les demandes d'achat, par exemple, il y avait un alinéa en bas de la feuille. Assurez-vous que si vous achetez, ce que vous allez acheter n'existe pas déjà dans l'entreprise, il existe peut-être à l'entrepôt, etc. Il fallait faire attention à tout. Et il signait les demandes d'achat. Pour lui, tout ce qui était jeté, ça lui faisait mal au cœur. Il découvre la matière inox. Pour lui, c'est une matière noble. Bon, nous, on considère maintenant que c'est du banal, c'est pas du métal argenté. Pour lui, c'est une matière noble. Donc tout ce que je jette, c'est dommage. Ça lui arrivait le samedi d'aller voir ce qui traînait comme morceaux de ferraille dans les bennes, en chute. Pour voir s'il n'y avait pas des morceaux trop longs à récupérer, qui auraient pu être récupérés et servir pour autre chose. Allez. Mais il disait, il n'y a pas de petites économies. Ça, c'était son mot. Si son sens exacerbé de l'économie a contribué à la rentabilité exceptionnelle de l'entreprise, c'est surtout sa capacité à se projeter dans l'avenir et à se donner les moyens de réaliser ses rêves qui ont mené Guy De Graine à la réussite. De penser cette usine à la fois sur sa taille, finale, et en même temps sur son module d'évolution, parce que c'est une usine qui s'est agrandie en tranches de façon extrêmement harmonieuse, parce que tout avait été pensé. Quand on voit la capacité qu'elle avait au départ et la capacité de production qu'elle a eue lors de la dernière tranche, il fallait quand même être extrêmement convaincu et visionnaire pour se dire « je vais construire une usine de cette taille-là ». Moi, quand je suis arrivé, il y avait 7000 mètres carrés. Quand je suis parti, il y avait près de 40 000. De 70 à 78, on a augmenté la production en volume de 3 ou 4 fois à effectif constant. On n'a pas licencié un seul bonhomme. Oui, il y a eu 30 années qui ont été vraiment florissantes. Ah oui. Ah oui, toutes les chaînes tournées en 3-8. Les plats en inox étaient fabriqués par conteneur entier. Ouais. Pour
Pour que le futur soit encore plus florissant, Guy veut que sa marque devienne une évidence pour tous les consommateurs. Encore une fois, une idée de génie va émerger. Investir massivement dans la publicité. Nous étions bien conscients que le fait de commencer à faire de la publicité constituait une obligation de persévérer, que c'était un investissement auquel il faudrait chaque année ajouter quelque chose. J'avais présent à l'esprit le du beau, du bon, du bonnet de mon enfance. Une notoriété formidable qui, soudain, n'a plus été soutenue et s'est effondrée. Personne de ma corporation, je veux dire au niveau des orfèvres populaires et démocrates de mon espèce, ne faisait de publicité. Et sur la marque, il a été incroyablement visionnaire. Et je ne sais toujours pas si c'est par une véritable analyse ou intuition, mais il a quand même eu cette idée absolument incroyable de faire de la publicité à la télévision. La marque apparaît sur le petit écran en 1974. Ce premier spot est réalisé par Claude Chabrol, un des chantres de la Nouvelle Vague. Guy, loin d'être un grand communicant, se jette à l'eau. Bonsoir. Je m'appelle Guy Degraine. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi je vous connais. Je vous connais pour vous regarder vivre depuis 28 ans. En effet, depuis 28 ans, je fais des couverts et des plats pour vous. Des couverts et des plats Guy Degraine qui correspondent bien à ceux dont vous avez envie. J'ai ainsi créé des styles très différents et certainement le vôtre. Je vous connais depuis si longtemps. À mon avis, je pense qu'on a dû l'obliger à le faire. Parce que ça faisait pas du tout partie de son caractère. Et d'ailleurs, quand vous regardez le film, vous vous apercevez qu'il n'est pas du tout à l'aise. Tout à fait. C'est une corvée terrible de devoir prendre la parole. C'était un orateur pas aisé, pour ne pas dire mauvais. Il n'aimait pas s'exprimer. Il était pas très précis quand il s'exprimait. Il avait presque parfois tendance à bégayer. En 1975, un trio de jolies jeunes femmes remplace avantageusement un Guy peu convaincant. Je m'appelle Françoise. Un homme a transformé ma vie. Je m'appelle Marie-Ange. Un homme m'a rendue follement heureuse. Je m'appelle Jenny. J'ai rencontré un type formidable. Il a créé exactement mon style de couverts et de plats. Il les a fait en inox massif. Même si la marque commence à sortir de l'anonymat, l'impact des messages se révèle mitigé. Guy ne renonce pas, bien au contraire. Une nouvelle fois, il va se montrer novateur. En 1978, il accepte une idée de génie proposée par le père de la mère Denis. Vous savez, à Vire, quand l'agence de Paris débarquait, c'était un peu un événement. Hein. Donc tout le staff était là, dont Madame Degraine. Même, t'entendais, il y avait les filles qui couraient un peu comme ça, à droite, à gauche. Et donc j'ai présenté, j'ai raconté ça. On va mettre en avant votre personnage quand vous étiez jeune. C'était pas évident, parce que de vendre l'idée de cancre à Guy Degraine, qui était quand même un grand PDG. Alors il montre ça. Alors, comme je disais, tout le monde avait peur de mon père. Donc autour de la table, tout le monde se tait. Il opine du bonnet et moi je me suis aperçu avec le temps que Guy Degraine, il n'est jamais content parce que s'il montre qu'il est content, il pense qu'on va lui augmenter ses honoraires. Donc il est toujours profil bas. Il a longtemps hésité et à mon avis, plus que le service commercial, c'est sa femme qui l'a convaincu d'accepter cette idée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis navré, n'est-ce pas, mais je suis obligé de renvoyer votre fils. Ces notes sont lamentables, n'est-ce pas? Alors, Guy Degraine. Bon. Arithmétique 1,5, n'est-ce pas? Géographie 2, sciences naturelles 2. Par contre, dessin 18. Il faut dire que M. Guy Degraine passe tous ses cours à dessiner. Il dessine des fourchettes, des couteaux, etc., des plats. C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, M. Guy Degraine, n'est-ce pas? Guy Degraine, il est aujourd'hui le premier, n'est-ce pas? C'était une extraordinaire publicité. Coup de génie. Absolument. Coup de génie. Moi, je rencontrais des gens qui disaient « Oh, vous savez, avec votre film Guy Degraine, vous avez rendu la confiance à tellement de cancres. Les gens adorent ça parce que vraiment un cancre qui arrive, qui est le numéro un maintenant, c'est fantastique. » Ah ben, tout le monde a trouvé que c'était bien parce que c'était le petit cancre, mais enfin qui a réussi. Donc tout le monde en était fier aussi.
On était tous très fiers, dans le fond, de la réussite de Guy de Graine. Donc ça a eu un impact fantastique, parce qu'on a fait des études régulières, et la notoriété spontanée de Guy de Graine montait en flèche. Donc on s'est dit, on est sur la bonne voie, on continue. Guy de Graine. Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy de Graine, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, monsieur Guy de Graine a la passion des plats, des couverts. Mon pauvre Guy de Graine, c'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Sur les budgets de films, etc., il n'était pas vraiment radin. Il savait qu'il fallait investir pour que ça marche bien. Il était près de ses sous, mais il savait s'en servir efficacement. Il consacrait la moitié ou le tiers de son bénéfice à la publicité, ce que personne d'autre n'avait fait. Donc ça, c'est quand même assez génial comme idée. À cette époque, une autre publicité qui marquera durablement les esprits fait son apparition. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. La France se prend de plein fouet le premier choc pétrolier. La crise économique s'installe durablement. Guy de Graine traverse cette tempête sans souffrir. Entre 1973 et 1978, il multiplie son chiffre d'affaires par 2,4. Il est temps pour lui de s'offrir une vengeance jubilatoire sur les grands qui le snobaient à ses débuts. Il avait un esprit un peu teigneux, un peu revanchard. Hein. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, il a eu des difficultés, il n'a pas toujours été bien aimé, il a été combattu, il a été critiqué. Bon, et ça lui a donné toujours du mordant dans la vie pour aller rattaquer ceux qui l'avaient critiqué et les dépasser. Hein. C'est ce qu'il a fait. Hein. On le voit lorsqu'il rachète l'étang Rémy, par exemple. Il avait invité toute la force de vente dans un des meilleurs restaurants de Paris pour fêter la reprise des actifs de l'étang Rémy. On sentait que ça lui faisait vraiment plaisir. Mon père avait racheté une entreprise à Paris qui s'appelait André Leroy, au Presseur Gervais, qui était le fabricant de la fameuse théière Salam ou la petite corbeille en aluminium à Jouret, etc. Ces deux produits-là ont dû payer 10 fois l'achat de l'entreprise, à mon avis. Une réelle éclaircie, cette fois, pour l'orfèvrerie Boulanger à Châtellerault, la plus ancienne fabrique française de couverts en argent. Elle a été créée en 1810 et elle est reprise par un spécialiste, un vrai, la société Guy de Graine. De Graine, c'est du solide, 1100 employés dans 3 entreprises. C'est aussi, en 1985, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 400 millions de francs. Sans compter les usines qui étaient rachetées à droite et à gauche, mais qu'on fermait d'ailleurs. On les fermait, on ramenait les machines à Vire. On les reconditionnait, on les remettait en ligne et on gardait surtout la clientèle. Il voulait être le premier, il voulait absolument dépasser tous les autres. Il est vrai qu'il avait une ambition, c'est sûr. Il a bouffé tous les autres. Hein. Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier. Il était visionnaire jusqu'à une asymptote, jusqu'aux années 85-86. Quoi. Après, il y a une certaine stabilité. J'ai eu une discussion avec lui où il me disait, je suis un peu comme un joueur de casino, j'ai gagné beaucoup et pour continuer mon entreprise, il faudrait que je remette, que je fasse une nouvelle mise et que je reprenne un risque sur le long terme. Est-ce que j'ai vraiment suffisamment de motivation pour le faire ? Puis il y avait une certaine lassitude, j'ai l'impression qu'à la fin il était aussi fatigué. Puis on a su après qu'il avait eu sa maladie, mais bon, on l'avait pas vu au départ. Quoi. Mon père est mort Alzheimer, hein, donc il commençait déjà, on sentait nous que c'était pas facile. Il commençait à baisser, il était très attaché, la retraite, il n'en était pas question. Il avait très bien réussi en France, mais il ne savait pas très bien comment aborder l'international. Donc il y avait toute une série de défis comme ça auquel il savait plus faire face, et Guy de Graine, il aimait bien tout maîtriser. Et il se rendait bien compte qu'à force de rien décider, l'entreprise stagnait et pouvait même reculer. Et puis, le dernier aspect, c'est qu'il a décidé, en concertation avec sa femme, bien évidemment, parce que sa femme était très présente dans toutes les grandes décisions de sa vie, de ne pas transmettre l'entreprise à ses enfants. Et ça, je pense qu'il a dû mettre du temps à se résoudre à ça. Je ne crois pas beaucoup à l'avenir des sociétés de famille.
Dans ma vie, j'en ai racheté une bonne demi-douzaine. J'ai étudié l'histoire de ces sociétés, autant au niveau du créateur de la première génération, si vous voulez, l'affaire est brillante de se développer que bien souvent, au fil des générations, il y a multitude d'actionnaires, de familles, etc., qui font que les sociétés périclitent et disparaissent. Et puis je pense qu'il n'avait pas une confiance énorme en nous, ses enfants, et que la sécurité, c'était de vendre, quoi. L'entreprise valait cher. Elle valait 425 millions de francs, si je me souviens bien, en bourse. Elle était cotée en bourse, donc de toute façon, le prix était difficilement négociable. On ne pouvait pas acheter en dessous du cours de bourse. Il était toujours très prudent, très méfiant, très circonspect. Mais on sentait s'il était convaincu ou pas. Je lui ai simplement dit que la marque était plus connue que simplement le domaine découvert, que je voulais la diversifier, notamment dans la porcelaine. Et là, je crois que j'ai touché une corde sensible parce que sa femme était très militante pour cette idée-là, déjà. Je ne savais pas, mais elle le poussait beaucoup à le faire. Donc j'ai essayé de leur donner à la fois confiance dans le sérieux du projet, mais également leur montrer que l'entreprise vivrait bien et ferait des choses innovantes après la cession. Je crois que ça les a séduits. Alors que les négociations sont très avancées, un événement foudroyant survient de l'autre côté de l'Atlantique. Mercredi dernier, l'indice Dow Jones, le baromètre de la bourse, baisse de 95 points, c'est la nervosité. Jeudi, nouvelle baisse, le record absolu, c'est la panique. Vendredi, le Dow Jones perd en quelques minutes à peine 131 points. Wall Street n'avait pas connu de chute aussi sévère depuis le 28 octobre 1929, le fameux crack de 29. On connaît la suite. Alors, la bourse s'est effondrée au moment où on allait signer avec Guy Degren. Et donc, certains de mes investisseurs se sont retirés. Il a fallu les remplacer. Malgré la chute violente du cours de l'action Degren, Guy reste ferme sur ses positions. Il ne transigera jamais sur la valeur de son entreprise. Bertrand Deschery, convaincu de l'avenir du groupe, cède et achète au plus haut prix. Beaucoup diront que Guy a réalisé là le plus beau coup de sa carrière. Beaucoup ne savaient pas que M. Degren allait vendre sa société. Ça nous a surpris. Tous les cadres ont été réunis en réunion extraordinaire. On ne savait pas pourquoi. Thérèse Monclerc est rentrée, les larmes aux yeux, on s'est demandé ce qui se passait. Donc le patron a suivi. Alors là, on a entendu le mot gelé. C'est avec émotion qu'il nous l'a annoncé d'ailleurs. C'est tout juste s'il n'avait pas les larmes à l'œil. Et il nous a dit tout simplement, j'ai vendu mon entreprise. À l'horloge de la vie, tout a une fin. Et en ce qui me concerne, le temps de mes responsabilités a pris fin le 10 novembre 1987. Je quitte la scène de l'industrie assez fier, somme toute, mais sans prétention aucune, de ce que j'ai réalisé. Merci. Merci encore pour votre confiance et votre fidélité. L'entreprise a continué à croître de façon spectaculaire. Donc c'était, de ce point de vue-là, une très bonne décision. Parce qu'il est parti, lui, avec un montant non négligeable. Et donc il est devenu, de ce fait-là, extrêmement riche, même s'il l'était déjà. Et il a permis à son entreprise de continuer à se développer. Donc... Il a gagné sur les deux côtés. Et ça, c'est quand même, pour moi, une vraie réussite. Alors, j'ai tout de suite pris la présidence de la société, parce qu'il fallait quand même que ça soit clair. Mais j'ai fait peut-être l'erreur de faire les choses en douceur. Mon idée, c'était que l'entreprise ait l'impression qu'il y ait une continuité. Et donc, je lui ai laissé son bureau. Et moi, je me suis mis dans un petit bureau, au-delà de la porte vitrée, sur le plateau paysager. Et ça a duré 6 mois. Et puis, je me suis aperçu que les gens n'avaient pas très bien compris qui était le patron, le nouveau patron. Il passait quand même derrière moi pour faire des commentaires ou donner son avis, qui n'était pas toujours le même que moi. Puis, on avait des styles très différents. Donc, au bout de 6 mois, je lui ai dit que je reprenais son bureau. Il a été très triste, très meurtri. Est-ce que vous êtes un retraité heureux ? Non. En ce sens qu'on ne passe pas, si vous voulez, 40 ans d'une vie active, forcenée, comme celle que j'ai connue, du jour au lendemain, comme ça, c'est très difficile. Hein, très difficile. Et là, j'avais mal perçu
ce risque, j'en ai beaucoup souffert. Sa vie, c'était sa société. D'ailleurs, en fait, quand il est parti à la retraite, je crois que sa vie avait moins de sens, quoi. Parce qu'en fait, il est tombé quand même rapidement dans la maladie et tout. Le 7 novembre 2006, après 82 ans d'une vie riche et dense, le cancre génial abandonne définitivement son bonnet d'âne et tire sa révérence. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que de nombreux anciens collaborateurs accompagneront Guy vers sa dernière demeure du cimetière de Neuville, à Vire. Son empreinte reste indélébile sur la marque qui porte son nom. De Graines est encore aujourd'hui premier fabricant de couverts en Europe et deuxième dans le monde. Il a réussi, mais nous également, on voyait quand même la réussite. C'est ce qui fait qu'on s'accrochait. On s'accrochait parce qu'on savait qu'il réussirait. Je pense que c'est assez rare d'avoir la chance de participer à une histoire qui est une success story très spectaculaire quand même. C'était un homme exceptionnel par ce qu'il a fait, par son travail, les développements industriels et les développements de produits qu'il a su développer, quel que soit son caractère, surtout à cause de son caractère. C'était un homme exceptionnel.